Au Gabon, Ali Bongo est libre de ses mouvements et peut quitter le pays. La résidence surveillée d'Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, renversée le 30 août par un coup d'État, est donc terminée. C'est ce qu'a annoncé le 6 septembre le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, organe qui a pris le pouvoir dans le pays. Une semaine après le punch, l'ancien chef d'État est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger pour ses contrôles médicaux. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août mené sans effusion de sang, moins d'une heure après que son camp eut proclamé sa réélection dans un scrutin qualifié de frauduleux par les putschistes.